toutes et à toutes. Salut. Journal numéro 17, comme disait Manou tout à l'heure. Voilà. Donc on se retrouve à la montagne pour tourner notre petit journal. En local, hein. Avec un super paysage et tout. On a dit que ça ferait un petit peu plus sympa. Notre petit chalet. Voilà, on a la cabane au fond du jardin, là où tout le monde peut aller faire ses besoins le soir. Donc, qu'est-ce qu'on a de bon à raconter? Le passé. Écoute, ce qui s'était passé pour la soirée galette, hein, on revient un petit peu en arrière. Voilà, galette des rois d'encens. Début de l'année, tout comme ça. Les cotillons, bonne ambiance. On s'est bien amusé. Super, 70 personnes. Ouais, Laurie s'est rappelé de Zama, nous a montré quelques petits... C'est vrai qu'on a repris des petits thèmes, des petits trucs. Voilà, donc c'était sympa. On s'est bien amusé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh bien ensuite, nous avions le bowling. Le bowling. Alors le bowling, pareil. Bonne ambiance, on était 20-25 au bowling, hein, donc ça a balancé les boules. Oui, il n'y a pas que les boules qui se balançaient, tout le monde se balançait. Enfin, c'était quand même très très bien. Hein. Alors après, ça s'est gâté un peu, on a l'impression que les gens n'avaient plus d'énergie pour sortir. La randonnée, alors c'était une C'est vrai que la randonnée pédestre, en fait, n'a pas donné beaucoup d'amateurs. Ouais. Ouais, ils ont du mal à se lever le matin. C'est vrai qu'on a traversé quand même une période hivernale là, qui n'était pas terrible. Hein. Donc, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on a quand même la foi, on continue. Après, il y a eu le karaoké. Non. Ah, c'était pas le karaoké. Non. Après, il y a eu la sortie cheval. La sortie cheval. Qui n'a pas... Ah bah oui, parce que j'allais dire, attends, ouais, annulé malheureusement. Voilà. Mais bon, on a remplacé par autre chose. J'étais plus quoi d'ailleurs. La randonnée, c'était la randonnée. Et puis après, on a attaqué soirée karaoké sur la péniche. Soirée karaoké. C'est pareil, soirée karaoké. Ça a chanté faux. Ah, oui, c'est pas grave. Écoute, il a pas plu ce soir-là. Non, il y a un peu de neige d'ailleurs. Ouais. Ah. dans l'ensemble, c'était sympa. On a bien régulé et tout. Ben vous verrez quelques images. C'est quand même assez sympa. Voilà. Donc, on va continuer après notre petit journal avec un petit passage sur ce qui se passe au sport d'hiver. On se retrouve tout à l'heure sur les pistes. Sur les pistes, en pleine nature, au milieu des sapins, de la montagne. Donc, c'est sympa. On respire l'air pur. On a encore du beau soleil. On va en profiter. Sinon, pour vous rappeler que là, ça moi, c'est ben, hier soir, ben, on a eu quelques petits problèmes encore avec les lits, les chambres, vous voyez plus tôt. Qu'est-ce que tu fais avec ton matelas? Mais elles ont laissé quand même les fringues. Hein. Non, sinon, pour revenir un petit peu aux choses sérieuses, donc, on ne vous l'a pas encore dit, mais ça va se profiler dans les jours à venir. Donc pour notre fête des 20 ans qui sera le 10 juin prochain, on a été obligé donc pour louer une salle correctement, pour faire quelque chose de bien, pour que vous puissiez venir nombreux, de réserver. Et donc les dates des prochains programmes à venir, en l'occurrence je crois qu'il y a une randonnée, un rallye, et puis il y avait aussi je ne sais plus quelle activité, le Tipeee, voilà. Et on reverra les dates prochainement pour vous redonner des bonnes dates et tout, voilà. Mais surtout, donc, redonnez bien la date du 10 juin hein, pour fêter ensemble donc, les 20 ans de la sauce, voilà. Et puis, comme d'habitude, dans une bonne ambiance, et venez nombreux. Vas-y. Donc, voilà. On est terminé. Hein. Ah, ça s'achève, voilà, comme notre petit week-end. Ben oui, notre week-end qui est terminé, donc on se retrouvera tous l'année prochaine. Et puis, pour le petit journal, le 18, dans quelques semaines. Dans quelques semaines, voilà. Ciao, bye bye.